Kasernen, vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Mai, wie einst Lili Mai. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, da sah man gleich daraus. Und leider sahen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili-Mai, wie einst Lili-Mai. Deine Schritte kennen sie, deine schieren Gang, alle Abend kennen sie, das Licht vergaß sie ganz. Und sollte mir ein Leid geschehen, wenn wir bei der Laterne stehen, mit dir, Mama, mit dir. Nina Hagen, Nana Mouskouri, bonsoir. Bonsoir. Guten Abend. Vous allez, vous allez parler français. Vous vivez en France. Oh, well, mon français, c'est malheureuse. Oui, vous aimez un français. Mon petit fille oui. Parle français parfaitement. Oui. Moi, français, as I said before, is pretty malheureuse. You have a French blood. Inside of you. Yes, je suis enceinte. Mon bébé arrivé en juillet. En juillet. Juillet. Et il naîtra en France. Ce sera un français, un franco-allemand. Oui. Voilà, vous savez tout, Nina Hagen. Je voudrais vous féliciter pour ce disque et vous poser une question avec la complicité de Nana Mouskouri. Le mur de Berlin, c'est du passé. Qu'est-ce que vous ressentez quelques mois après cet événement considérable? Est-ce qu'on va avoir la chance de voir maintenant les artistes de l'Allemagne de l'Est qu'on connaît peu? That's great. It's a big miracle, and we were all hoping for it. And I think the people in East Germany are giving us big inspiration, because you know. Parle de l'inspiration et du talent des artistes de l'Est. When the people unite, when the people are together, the people are strong, and so we can save the world. Quand les gens sont ensemble, ils sont plus forts. So we can save the world.
ils peuvent sauver le monde. Absolument. On va maintenant accueillir, vous avez presque le costume qu'il faut pour ça, les magiciens, c'est un costume d'illusionniste et de magicien. Et on va accueillir maintenant Bertrand Lotte, qui est un magicien qui a obtenu la baguette d'or au Festival de la magie de Monte-Carlo en 88. La coquille magique, elle pourrait être une coquille grecque. Regardez, la magie de Bertrand Lotte.